Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode des Zinzins de l'espace. Allez, on commence de suite et on ne perd pas de temps. On va sauver nos collègues. On a un contrôlé de nos. Hop, on prend le sas d'accès. Et voilà, ça c'est fait. On se trouve emprisonné. Maintenant, on contrôle stéréo et on va faire la même chose pour pouvoir ensuite contrôler Bud. Qui est un peu le héros de cette histoire. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on contrôle Bud. Et voilà, il est là ce fucking tuyau. Putain. Après le temps que je le cherche ce truc. Voilà. On accroche le tuyau. Ok. Bon, nous revoici sur le tuyau. Cette fois, on va pas faire la même erreur. On accroche ceci. Et on fait cela. Genre. Putain, on est des vrais James Bond, quoi. Abusé. Allez, vite, à los tomatoes, habits. D'accord. Donc la porte, on peut pas la prendre, donc il doit y avoir un autre chemin. Par ici. Youhou! Je fais un peu flipper ce genre d'escalator. Il y a la fusée. Je peux pas y aller tout seul, je pense. Donc autant revenir en arrière. Donc par là. Gauche ou droite? Plouf, plouf, allez, gauche. On peut les sauver, non? Donc, techniquement, on a une petite cinématique, mais bon, le jeu bug, donc on l'a pas vu. Et en gros, on vient de se faire piquer la clé de la soucoupe volante. Donc là, on décide de prendre la fusée. Et nos chers collègues viennent de se faire attraper. Donc, c'est à nous, Candy, de les sauver encore une fois. Voilà, voilà. Donc là, faut descendre. Je crois qu'il faut redescendre encore. On va activer ceci. Il nous faut de l'essence, je crois. Genre le mec il les entend pas, il entend pas l'ascenseur monter. Il se dit pas qu'il manque un alien dans le tas. Maintenant il nous faut un gros baril, il y en a un là. Espérons qu'on puisse le prendre. Genre. Thank you.
Mais bien sûr, elle arrive à tout faire passer. Ouais, là, comment ça se passe? Ni vu ni connu. Nous revoici dans la fusée après un énorme blackout. Le jeu a totalement buggé sur la dernière cinématique et donc j'ai dû recommencer. Mais bon, c'est pas grave. On se la refout. C'est pas dérangeant. Allez. Là, on est à deux doigts d'être libre. À deux doigts, deux petits doigts d'être libre. Il manque plus qu'à démarrer la fusée. Et on se casse! Il en manque un. Où est-il? Nous avons les moyens. Vous connaissez la suite. Vous savez, les gars, mon paternel disait il ne faut jamais paniquer dans la vie. Cette fois, le jeu est vraiment vilain. Cette fusée est une bombe d'un million de mégatonnes. Je l'ai faite moi-même. Je vais vous accompagner. Et quand nous serons sur votre planète... Kaboum! Mon père disait que dans la vie, deux seules choses comptaient. Mon argent et mon argent. Montez dans la capsule. Moi, je reste avec lui. Nein! Pas cette manette! Warum? Pourquoi pas? Hey les gars, vous n'auriez pas entendu comme un bruit. Pourquoi? J'espère que ça vous aura plu. C'était le dernier épisode des Zinzins de l'espace. Pour ceux qui veulent tout simplement voir juste la cinématique de fin, bah, je ferai une vidéo à part où il n'y aura que la cinématique. N'oubliez pas, c'était Beaufy11, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Et bye bye. Plus rien à dire. Allez,
Tchuss.